Bonjour à tous, c'est LL Bike Life, bienvenue pour cette 8ème vidéo. Ça y est, c'est officiel, on attaque la partie 2 de la saison 2 de ces entraînements wheeling, toujours avec la fidèle KTM. Alors j'en profite pour vous dire tout de suite, mettez-moi s'il vous plaît des commentaires dans cette vidéo, parce que j'en avais beaucoup plus dans la saison 1. Et franchement, ça donne vraiment de la force. On ne s'en rend pas compte quand on est à votre place, à la place de celui ou celle qui va mettre les commentaires. Mais ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui nous soutiennent. Qu'est-ce que j'ai fait là encore ? Je fais n'importe quoi. D'avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, même si c'est juste pour dire c'est bien, continue, tu progresses, un truc bateau comme ça. Mais allez-y les gars, parce que j'en ai besoin. Quoi. Sincèrement, c'est pas du mytho. Hein. C'est pas pour quoi que ce soit, mais vous voyez, je fais 99% de mes vidéos tout seul. Je fais tout ça tout seul. Et si de temps en temps j'ai pas un petit commentaire, un petit like pour me donner l'envie de continuer, c'est compliqué quoi. Voilà. Plus encore plus ici parce que tu vois, je suis tout seul ici, tout le temps tout seul, tout ça. Donc ça fait du bien d'avoir des petits commentaires. Bref, on y va. Aujourd'hui, j'ai pas pris la règle, même si j'en avais envie pour pas rester sur un échec. Mais on va faire en freestyle les deux pieds sur le guidon. On avait déjà fait une jambe sur le guidon, là on va mettre les deux. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Comme je vous avais dit déjà dans la dernière vidéo, je vous mets juste quelques secondes de wheeling à l'arrêt parce que c'est chiant pour tout le monde. Et après on enchaîne sur les deux autres phases, les wheeling et le freestyle. À tout de suite. Énorme là qui se lève, alors je sais même pas si je vais réussir à faire tenir la caméra sur le trépied, parce qu'avec un vent comme ça, ça va peut-être tomber. Et déjà tout à l'heure en wheeling, en première, ça commençait à me dévier. Là, je pense que ça va être encore pire. C'est pas grave, on va voir ça. Allez, c'est parti. 5 minutes. 5 minutes comme ça, 5 minutes. Attention le trépied, ça y est, 21.
assez vite. Et si je monte pas assez vite, je vais être obligé de prendre de la vitesse pour relever après, et c'est la merde. Il vaut mieux laisser retomber et puis repartir. Je me suis mangé. Je me suis dit, vas-y, là tu vas freiner. Tu vas freiner, mon pote. Ah ouais, là j'ai freiné, mais c'était un peu trop brutal pour moi. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez le vent qu'il y a là. Il y a beaucoup de vent. On va essayer de mettre des gens pour le vidéo quand même. Je vais mettre ça pour vous positionner sur le set. Déjà de rouler comme ça, c'est pas forcément facile. Alors en wheeling. Faut anticiper hein, pour tourner, parce que bien sûr, je pense pas être capable de pouvoir tourner sur une ligne aussi étroite. Elle est là la bosse dont je vous parle souvent. J'aime plus à combien vous avez commencé. 45 ans. 40 ans. Passant mes jambes ou en lisant le vent et faire un wheeling. Bon, c'est là je suis content, c'est une petite réussite quand même. Alors je fais pas des wheelings de ouf, mais j'en fais quand même avec deux jambes sur le guidon, c'est pas le plus facile. Thank you.
atelier wheeling. Petit atelier freestyle, je voulais dire. Je vous dis, je vais me la mettre en passant la jambe tout à l'heure. Vue externe, là je pense que ça va être sympa.